Hello tout le monde, on est présentement jeudi 5 décembre, je suis dans la salle de bain. Ne regardez pas mes cernes, je l'avais de mon auto-bronzant, donc je pense pas me maquiller aujourd'hui. Je suis trop excitée parce que finalement j'ai eu comme un avis que mon matelas arrivait d'avance. Fait que j'ai appelé ou j'ai commandé ma base de lit, puis ils m'ont dit qu'ils venaient me faire livrer aujourd'hui. Fait que tout arrive aujourd'hui. Je suis toute en train d'enlever. Everybody me disait « Hello, guys! » Puis j'ai mon petit monsieur qui veut pas dormir. Hein? Il veut jamais dormir, lui. Puis là, c'est en ça, on dirait que, genre, il veut pas prendre un de mes seins. Je sais pas pourquoi, là. Il capote, il chicane comme avec, là. Fait que j'ai intégré, comme je dis, un petit peu la préparation de lait. J'ai l'impression que je le nourris pas assez. Fait que ça me stresse vraiment. Puis, c'est ça. Fait que là, depuis un matin, je suis genre j'essaie de faire toutes mes affaires le plus possible. Aujourd'hui, j'ai un énorme giveaway, genre de 2 200 $, qui va être sur mon compte Instagram, dernier post. Fait que je vous invite à aller participer, ça vaut vraiment la peine. C'est avec mon carrosse stroller Silvercross, avec la Baby Brezza pour stériliser les biberons. Des biberons, des bavettes. Un sac à couche, en tout cas plein d'affaires. Ça vaut vraiment la peine de participer, puis c'est seulement au Canada. Fait que vous avez plus de chance. Fait que c'est ça. Là, je suis en train de vider ma chambre. Puis Everly, puis Lucie, joue sur le lit. Donc voilà. Wouh! Je pensais que j'étais sur Lucie. Bye, Lou, mon chat. Je suis en train de tout enlever. Bye bye, vieux matelas que j'haïs, qui cœur. On a dit 10 ans. Je suis tellement fatiguée. J'ai pris mes Tylenol, on voit que ça me va. Je suis tellement pas habituée de prendre des médicaments. Fait que voilà, je suis toute en train de défaire. Oui, oui, j'ai encore pas fait ma pile de lavage. Fait que ici, on a mis un tabouret de notre télé parce que on voulait pas acheter un meuble, tu sais. On pense pas aller en Europe l'année prochaine. Fait qu'on veut essayer d'acheter le moins de choses possible. Parce que là-bas, tout sera fourni et on va tout laisser ici. Puis en plus, on vient de vendre notre maison. Fait que comme que je disais, on vient de vendre notre maison, voilà comme un mois. Ça s'est vendu vraiment vite, en 2 semaines, le prix qu'on voulait. Fait qu'on est vraiment contents, exactement le prix qu'on voulait. Puis, fait que comme je disais, c'est ça, on essaie d'acheter le moins de choses possible parce que on a vendu la maison, puis on s'en va sûrement en Europe l'année prochaine. Fait que c'est à suivre avec mon petit loup. Puis pour vrai, je fais tellement dur aujourd'hui, mais c'est ça. Pas eu le temps de me préparer. Puis, ah oui, à 2 h, j'ai rendez-vous pour mes ongles. Fait qu'à 2 h, les gars pour le lit viennent. J'attends le matelas qui arrive avec FedEx de la part de Andy. Puis, moi, c'est ça, j'ai été faire mes ongles parce que j'ai eu un contrat avec Pantene. Puis, genre, c'était pour les shampoings. Hey, ça n'a pas d'allure, mes sangs. C'était pour les shampoings. Puis, c'est ça. Fait que j'ai. Fallait que je fasse mes ongles. Ils étaient vraiment overdue. Puis ils me les ont moffés. J'étais allée avec les 3 enfants, genre à 7h30 le soir, la veille de mon shooting. C'était un calvaire. Puis là, je m'en vais les corriger à une autre place parce que je veux pas retourner là. C'était au chinois. Puis moi, j'ai fait au gel. Puis il m'a mis de la poudre. En tout cas, je comprenais rien de ce que je disais. Là, je m'en vais faire essayer le dip, le nail. Je vais vous montrer ça. C'est la première fois que j'essaye ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais les filles dans l'équipe, ils l'ont déjà essayé. Ils m'ont dit, essaye ça, tu vas vraiment aimer. Mais. Personne va, celle qui fait mes ongles à la maison, Mel. Ça fait des années que je vais l'avoir, puis je les aime toujours, toujours. Ils sont minces, ils sont parfaits, puis mes ongles sont toujours en santé. Ils poussent super bien. Bon, fait que là, j'aurais préparé à dîner. Il est rendu comme midi. Jimmy s'en vient dans à peu près 1 h. Fait que je vais faire le rush, préparer son dîner, parce que le pauvre, il va arriver. Il va garder les enfants. Les gars vont venir pour livrer. Fait qu'il va être comme... Welcome back home, baby. Fait que c'est ça. Hein? On dit-tu bye? Bye bye! Il est tellement beau. Ça n'a pas d'allure d'être beau comme ça. T'es tellement beau, là. C'est l'homme de ma vie, ça. Pas de touche, les filles. Il est à maman, le garçon, hein? Non, ça, c'est à moi. Pas de touche à mon bébé. C'est mon garçon, ça. C'est mon garçon. Et ta soeur, là, elle a de l'énergie. Fait que c'est ça. Nous, on se reparle plus tard. Bye bye.
Bon, ben j'ai un peu de temps devant moi. Je voulais parler comment ça a été avec Jim hier. Comme que vous savez, j'ai répété 20 millions de fois. Ça faisait comme 16 jours consécutifs que Jim était parti à l'extérieur faire un road trip avec son équipe. Ils ont été aux États-Unis, ont fait comme Chicago, Milwaukee, Rockford, Grand Rapids en 16 jours. Puis ils ont eu leur rookie party à Chicago. Ça a super bien été. Fait que c'est ça. Jim, c'était 16 jours qu'il était parti. Mais avant ça, il a été une semaine sur la route en début du mois de novembre. Après, il est revenu 6 jours. Il est reparti 16 jours. Il est là pour 6 jours. Donc, il repart mardi prochain. Puis, on se revoit juste, dans le fond, le 23 décembre. Fait que lui, il est parti encore sur un long road trip de comme 10 jours ou quelques et plus. Parce qu'il part le 10. Fait qu'on est encore un 13 jours, comme un 2 semaines sans se voir encore. Fait que ce mois-ci-là, il est assez rushant. Surtout que, tu sais, je peux pas m'en retourner à la maison parce que c'est la rose de l'école. Puis, elle peut pas manquer d'école comme ça. Déjà qu'elle va en manquer parce qu'on part le 14 pour Montréal. Je lui fais manquer comme une semaine d'école. J'ai discuté avec ses professeurs. Inquiétez-vous pas, j'ai envie de voir. Puis de la lecture. Fait qu'on va retourner à la maison. Ça va faire du bien. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas passé Noël à la maison. Donc, ça va être une première fois en 7 ans. Mais non, c'est en 7 ans. En 6 ans. 6 en tout cas. 6-5 ans. C'est là avoir 8 ans. Fait que ça fait comme 5 ans qu'on n'a pas passé Noël à la maison. Je pense qu'Everly. Oui, Everly, mon cœur. Oh my god, il essaie de faire une vidéo avec un enfant. Puis, dans le fond, Everly, je pense qu'elle n'a jamais passé le vrai jour de Noël à la maison. Je veux au spice. Oui, hein? Fait que c'est ça. Puis un puppy. Un puppy? Oui. Un poopsie. Un poopsie à tout. Oui. Avec un LOL surprise. LOL surprise? Oui. Oui, hein? Bon, maman va finir sa petite vidéo, c'est bon? OK? Fait que c'est ça. On est vraiment excités. Jimmy, il va arriver le 23 décembre. Puis on part le 26, tout en famille. Et moi, je partais d'avance avec les enfants, tout seul. Là, Jimmy arrive. Là, il doit arriver d'avance sur cette vidéo. Mais je vais vous le montrer, dans le fond, le nouveau produit Medela qui vient de sortir, qui sort demain. Donc, le 6 décembre, la voici. C'est la freestyle. C'est pour les mamans vraiment occupées, comme moi. C'est un tire-lait portatif. Parce que lui que j'ai le Sonesta. Il est un peu plus gros. C'est dans le même principe. Ça vient avec un tire-lait, batterie lithium rechargeable, 4 tétrels, 2 connecteurs. Fait que c'est un tire-lait double. Avec 4 bouteilles de 500 ml, 2 supports de bouteilles, une doublure, un sac de transport, un sac pour le congélateur, avec le petit adaptateur de charge puis des coussins pour allaitement. Je crois qu'il se détaille 500$ comme le Sonesta. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais sûrement l'essayer demain, honnêtement, pas aujourd'hui parce que je te dis mon boulot. Puis, ça dit que ça a jusqu'à 2 heures d'expression. Puis, tu peux faire. Ouais, je suis vraiment fatiguée. Je viens d'arriver. Fait que, il y a un suivi par. Oh, qu'est-ce que t'as? C'est toi qui as commandé ça. Je sais pas. C'est mon téléphone. Fait que c'est ça, ça dit que tu peux suivre ton téléphone avec l'application. Ça, c'est vraiment génial. J'allais sur l'autre. Fait que, mais j'ai vraiment de l'essayer parce qu'il est vraiment petit. Fait que ça va être plus simple à transporter. Tu sais, admettons que, comme là, j'ai un rendez-vous, je pourrais pomper mon lait dans l'auto. Fait que je vous reviens avec ce que j'en pense. Fait que c'est ça. Mais c'est pas ça que j'avais demandé. C'est donc bien drôle, c'était des tucs vertes. Ouais. On a des casquettes ici. J'ai demandé des tucs fluo vertes. C'est drôle. C'est drôle. Fait que. Non, vraiment pas. Fait que c'est ça. C'est le produit. Puis là, comme que j'avais parlé dans mon autre
un peu plus tôt là, avec ma phase d'enterrement morte. Le méga concours, ben bon juste avant, ouais, je me suis même mis un peu de concealer en dessous des yeux, j'avais l'air d'une mort vivante. Je me brûlais. Ouais, je viens d'arriver là. Oh, ma chute! Le pauvre, ça fait même pas 24 heures qu'il est revenu, puis il brûlait. Ouais, ok, Everly, il y a no yelling. Je voyais pas bloquer ça, c'est un peu. Wow. Mon téléphone. Petite anecdote, il est venu sur le road trip à Toronto. Il sort avec ses chums. Perd son téléphone. Pourquoi tu vas la compter parce que. Fait que c'est ça. Puis là, moi, j'ai mon rendez-vous à 2h. Papa! Puis je l'ai pas. Non. Papa, t'es moché. Ah, oh, mais je suis fatiguée. Non, mais. Vous voulez faire une sieste, les enfants? Je veux juste faire son spot dans les vidéos. Sérieux, papa? Sérieux? Sérieux? Seriously? Seriously, papa? Oui. Fait que c'est ça. Puis, fait que j'ai hâte de vraiment, je vais revenir. Ça veut dire que mon lit va être installé. Je vais pouvoir jumper dedans. Jumper dedans? Tu le mets dans la salle de jeu. Juste ici. Il y a peut-être ça de la place pour ça? Ben, j'ai tout enlevé les draps tout de suite. Ah, ok. Content. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, je vais vous laisser parce que je m'apprête. Vite, va à la toilette, je m'en viens. Vas-y, j'arrive. Go. Fait que c'est ça, je vais essayer de manger un petit peu parce que je me sens vraiment faible, comme que je disais. Puis, je vais aussi comme ça. Jimmy, il sort avec ses chums. C'est gentil. Ouais, mais le téléphone, il n'y a pas de pochette. Fait que ça glisse. Mm-hmm. Ça a glissé dans mes poches, dans les Uber. Ouais, mais ça, tu le savais pas au début, là. Tu savais pas que tu l'avais perdu. Ben, juste quand j'ai monté dans l'ascenseur, je savais que je l'avais perdu. Ah, mais ça aurait pu être dans le bon. Non. Pourquoi non? Ben, je l'avais. Tu textais tout le temps avec. Ah, ok. Fait que là, continue ton histoire. Fait que là, deux jours après, toujours pas de nouvelles du téléphone. Ouais, mais là, tu l'as localisé dans le Uber. Ah, je l'ai localisé. Mais c'était pas ton compte. Okay, non. Calme-toi, Evan. C'était le compte Uber à un de mes amis que j'ai sorti avec. Puis là, lui, il essaie de contacter le driver. Puis là, le driver, il répond pas pendant deux jours. Je décide d'aller m'acheter un nouveau téléphone. Wow. Là, je fais ma nappe d'avant-game. Quand je me réveille dans ma nappe, le game text dit qu'il a trouvé ce téléphone-là, l'ancien. Bravo! Mais là, moi, pour ceux-là qui me connaissent, là, ce téléphone-là, il ne marchait plus. Non, anyway. C'est les speakers qui ne marchaient pas. Le micro. Mais c'est je ne peux pas appeler pour recevoir l'appel. C'est vrai. Comme but d'un téléphone. Ouais. C'est... Que lui, il marche parfaitement bien. Fait que là, tu n'as aucune raison de ne pas répondre quand je t'appelle. Ouais. Lui, il roule avec sa valise ouverte. Ouais. C'est noir. C'est bizarre. Ouais. Okay. Hey, je t'ai pas dit, mais le matelas, il arrive aujourd'hui, puis le lit aussi. C'est génial, ça. Le lit, j'ai changé la livraison. Parce que là, la mono me guette. Hein? La mono me guette. C'est quoi, ça veut dire? Il est temps que je dors, là. OK, je pensais à cause du gars dans l'équipe, t'avais une mono, là. Mono, elle me guette. OK. Puis là, mon vidéo a coupé parce que j'ai une alarme pour vraiment que je fasse un pause pour mon méga concours que je vous disais. Bon, fait que je vous amène avec moi pour mes ongles, puis je vous montre la nouvelle technique dip. Puis on se reparle pas tout.
so. It doesn't really matter. I think it lasts in about 2 weeks. I think so. Et voilà, mon nouveau lit arrivé, les tables de chevet, puis le matelas Andy. Ce matelas là, il est juste trop parfait, avec les deux oreillers aussi que j'ai pris. Ça c'est la vie d'Olivier. Voilà, c'est pas magnifique. Ça matche même avec la couleur du lit Hendrix. C'est juste parfait. De dormir dedans. Bon, mais je vais conclure mon vlog là avant de l'oublier. On a un petit monsieur qui fait le dos. Il se réveille sans arrêt. Tu peux m'amasser sa sauce, ça? Oui. Donc, Jim écoutait le hockey. Moi, je suis en train d'éditer un vlog. Je conclue mon vlog. Ok. Puis, Il met ou pas? Non, non. Puis, arc-à-les pommes. On a vraiment hâte d'essayer notre nouveau matelas. J'ai une petite cave, mon nom de guetta, parce qu'il est trop fatigué. Non, mais je pense que tu veux pas la sauce. Fait que. C'est un guetta, finalement. Bon, fait que c'est ça. On a eu une bonne journée. On a mangé une petite fondue pour finir notre journée. Puis j'ai mes ongles en set pour notre party de Noël. Chut. Monsieur commence déjà à se relever. J'ai fait les ongles des filles tantôt. Une quête. Fait que je suis sûrement à l'été encore. Puis sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle journée. Puis nous, on se reparle dans un prochain vlog!